Haïtiens tout partout dans le monde, comment nous y est? Bienvenue sur Union 109 TV. Sujet nous gain pour Azoya, nous avons déjà et pas oublier abonner et partager et vidéo sous et mettez un like tout sous et channel Union 109 TV. Bon, pour nous du sujet nous gain pour Azoya. Quel que soit côté en tant que haïtien, débutant de la nouvelle des pays d'Haïti ou toujours qu'on allié déjà qu'on déjà sauté. Comprendre? Quel que soit au Brésil ou au Chili ou de République Dominicaine, États-Unis, la France, quel que soit côté dans monde là, debout dans nouvelle dans pays côté là, il y a du Haïti. Qu'on sauté parce que ou déjà connaît son mauvais nouvelle yo val ba ou des pays d'Haïti. Pays d'Haïti, Jean Noël là, pas gain nous, pas gain belle nouvelle là dedans, pas gain bonne nouvelle. C'est déjà nous qui dit ah, de vous parler de Haïti là, vous pas parler de un projet Haïti te fait et un bel projet qui a marché dans pays, il y a un bel bagaille qui nous fait. Nous pas jamais courir bagaille comme ça, yo pas jamais parler de bagaille comme ça. Les quand le gouvernement au fond projet, même si vous pas fait en pile quand vous admettons Marion. Pas jamais on presse t'as parlé de ça, pas de bagaille. Même si le gouvernement n'a pas fait lobby pour bagaille ça dans le pays d'Haïti, presque depuis après, M. Tête Kalea qui te fait bagaille ça avec Laurent Lamotte, qui te fait un pile lobby pour le pays d'Haïti, pour te faire un pays à non sens, de façon diplomatique. Mais, depuis où il y a une bonne nouvelle, sur le pays d'Haïti, c'est maman petite, mari vente, ou bien c'est manifestation, c'est caoutchouc à bouler, c'est pas l'autre bagaille. C'est ça lié, nous habitués avec ça déjà. C'est comme ça nous-mêmes haïtiens nous habitués Jean noué baio debout et y a ba nouvelles ou c'est comme ça lié c'est bagage ça noué quand couwe flamme di fe caoutchouc ka boulé et moun k'ap couri à gauche à droite et puis c'est ça y va dire et combien moun mouri moun pa ka cesser moun pa ka manger. De toute façon nous va qui tout suivons vidéo que nous va porter pour qui t'est réalisé et par une équipe France Télévision qui te font un reportage sur la situation pays d'Haïti la semaine qui se passe là. Son va y récent lié, son va y qui fait passer. C'est l'actualité qui gagne Kounia là. Comprenez? C'est ça, yo a vendre des pays d'Haïti. Nous pas ou pas même besoin d'inviter eux depuis gagne mauvaise nouvelle. Depuis gagne bonne nouvelle, c'est payer pour payer pour yo bay bonne nouvelle là pour. C'est comme ça lié dans le monde. Quel que soit côté là, ou est gagne mauvaise nouvelle États-Unis, gagne mauvaise nouvelle Canada, gagne mauvaise nouvelle Jamaïque, gagne mauvaise nouvelle en France, yo pas payer des bay nouvelles ça yo. Yo pa pédé passé nouvelle ça yo mais sou vle yo bay bon nouvelle pour ta gon projet k'ap marché on projet c'est là on bel bagarre ou fait la caillou yo pa vinn bay li kon ça sou pa dépense son l'argent ça veut dire pour développer pays d'Haïti c'est tête ensemble pour nous mettre faut nous quitter division de côté intérêt personnel de côté c'est ça pour nous mettre à côté pour nous obligé et font gens pour nous ka vivre dans pays ya. Parce que nèg yo a fait spéculation sur toute bagaille pour ka faire l'argent sur maléré. Nous ka wè ça bien comment nèg a géré on a fait gaz dans pays. Hein? Ça c'est pour ka tout pizi maléré, pour ka tout pizi pour faire l'argent sur maléré pour de temps en temps yo pa mettre gaz là on genre tout pays gen gaz mais tout pays a vendre gaz normalement. Mais pour qui ça Haïti ça fait n'importe 3 ans, 4 ans là on rate gaz. Pour qui raison? C'est intérêt grand nèg k'ap défendre dans pays avec nèg ki nan gouvernement k'ap fè koutay. C'est comme ça lié maléré peuple là masse là c'est yo k'ap payer. C'est comme ça lié dans pays d'Haïti sou pa arrangé kòm meto bon côté rakete a ou pa ka fonctionner bien. Même sou ap essayer fon bagay ki pou paraît tan kou normal non, ou pa ka passer. Ou pa ka passer tonton sou pa laisser fè bagay comme ça. Comprendre? Sou pa laisser faire bagay comme si pou a vinn proposer, ou faire belle bagay, bon bagay, non. Sérieux pour respecter normes, respecter règlement. Haïti pas un pays comme ça. Et c'est corvé ou a pral fait tout en système ça pas changé. Ancien colon ça qui toujours là dans pays a qui mettait un bon et un petit nègre y a essayé manœuvrer tout côté à gauche à droite. Là au besoin ça yo dit tel bagay. Ou gen doit un nègre là faire manifestation pour qu'ils soient connait là faire manifestation. Et par contre vraiment contre gouvernement vrai non et par contre bagaille vrai non son manœuvre il a fait une manœuvre politique on cop qui n'amène pour ça ou même peuple là même on pense et c'est vrai démagogie ou al prendre ça c'est un bon c'est tout vraiment sous population qui pour mettre ensemble vraiment qui pour changer toute bagaille dans pays là et de toute façon nous pas quitter suivre nous pas quitter suivre comment et comment reportage a été
ou même moi bay commenter pa ou va mettre un commentaire. Est-ce que son bagay qui normal pour un pays à fonctionner comme ça? Et blanc yo yo même yo vraiment yo dit bagay yo Jean yo a vraiment. Là on va analyser Jean a expliqué bay yo c'est comme ça lié dans pays a, li pa on l'autre gens, c'est nous même qui Haïti qui pas comprendre ça qu'a fait dans pays d'Haïti. Mais étranger li gitan wè vraiment comment ça a passé dans pays nous. N'a pas tout suivre comment ça est. Cette colère est celle d'un peuple asphyxié par une inflation record de 29%. La rentrée des classes a été reportée d'un mois à cause de cette crise économique. L'odeur de pneus brûlés et les bruits des coups de feu sont devenus le quotidien des habitants de la capitale Port-au-Prince. Lundi, trois personnes ont été tuées par balle lors de manifestations qui paralysent l'île depuis plusieurs jours. Cette colère est celle d'un peuple asphyxié par une inflation record de 29%. La rentrée des classes a été reportée d'un mois à cause de cette crise économique. La faim, la vie chère, je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école, je ne peux pas payer ma maison. La misère, le désordre, je ne peux pas sortir à cause de l'insécurité. Un sac de riz, c'est 42 $, le sac de farine, 34 $. La misère nous tue. À cette misère s'ajoute la violence des gangs. Ils règnent sur les quartiers populaires des villes dans la plus grande impunité. Rien qu'en 2021, près de 950 cas de kidnapping ont été recensés sur le territoire, la plupart dans la capitale, devenue une zone de guerre à ciel ouvert. La violence atteint aussi les plus hautes sphères du pays. Le dernier président Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021. Il enquête sur les commanditaires du crime, piétine toujours. Depuis, le Premier ministre Ariel Henry dirige le pays sans grand succès, faute d'accord politique. Ariel Henry est un assassin, c'est un criminel qui a commandité l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous n'avons plus le temps, nous descendons dans la rue pour demander le départ de ces criminels. Mardi, le cabinet du Premier ministre a annoncé plusieurs mesures visant à atténuer l'extrême pauvreté et à garantir du carburant dans les stations-service. Mais les manifestants ne décolèrent pas et demandent aujourd'hui encore sa démission. De toute façon, qui ça nous ouais, montrer dans la vidéo? Qui ça nous ouais, montrer? Yo montrer qui ça? Yo montrer des séries côté qui sale, des séries bagay qui bizarre et tout ça qui pas belle. C'est ça yo montrer. Yo montrer dans vidéo, ça veut dire yo montre vraiment Haïti vraiment par un côté, c'est comme si pas un bel côté dans pays d'Haïti. C'est comme si Haïti c'est seul côté ça yo, c'est seul côté ça yo gain là-dedans et pas bon côté vraiment et monde qui a vraiment vivre, c'est pas un pays pour monde qui a vivre selon ça ou ta vle fait paraître dans bagage ça y a montré nous, vous comprenez? Pourtant c'est pas vrai, Haïti chargé bel côté, yo pas jamais prend temps quand on nous dit depuis gain tête chargé ça yo, c'est laisse avoir pour la presse internationale intéressée des pays d'Haïti depuis gain kachou bombé des gainzin caoutchouc a boulé. Mais ou pas jan moi côté que yo pral montre une belle plage, qu'on pral montre et des Cameroun, yo pa pral faire réclame ça pour ou parce qu'il faut qu'on paye. Faut qu'on ka faire lobby pour moun ka venir même si condition jan pays a là quand on nous dit là, il pas favorable à bagage, tout monde vient dans pays, il y a kidnap ou baga marcher dans la rue, fatra tout côté. Nèg yo pas vle moun vinn dans pays a. Qu'est-ce qui mette pays a dans condition ça pour moun pa venir là? Hein? C'est bourgeois ti lolit yo a mélangé avec nèg kap gouverne ki bon pose dirigeant yo et pourtant nèg yo pa rien dit tout yo pa ka dirigeant rien c'est ça lié ça veut dire nèg yo mette tout ensemble pour kembe un pays un peuple nan misère nan crasse et ou même qui son nèg ou ta vle dépense son ti kòp pou te ka vivre un ti jan mieux nan pays a yo kidnap ou ça lié y a dit yo gen contrôle tout moun nan ville la et sel yo gen tout nèg yo gang yo c'est pas vraiment et pour une blague ça e. Gang yo gen on contrôle gen nèg ki contrôle yo gen nèg nèg yo jam nèg yo voyager nèg ki rete dans zone grand ravine et village des îles nèg yo kon voyager kote yo kon aller pour acheter zam nèg yo ki ou yo kon faire yo azan domaine pa konnen sauf si yo ta gon diet privé yo gon ben même sou gon diet privé ça veut dire faut font contrôle quand même sou ça veut dire nèg yo gon boss les ouvre ba yo fait qu'est-ce que ba aux hommes
Qu'est-ce qu'il y a au cartouche tout en cartouche n'est pas venir chaque jour où on a montré plus belles armes il y a plus belles ceci plus belles là son jouet lié parce qu'il y a un boss yo qui a financé ba yo et puis tout même qui m'a aléré qui dans classe qui t'a dit classe pas une classe moyenne dans pays d'Haïti encore quand on commence font effort et yo des tout ou toujours être en bas ou gourmer ou mal vivre dans pays avec on s'allier ou même qui connaît ça pour changer ça va c'est c'est pourquoi ça, c'est pourquoi j'ai changé là. C'est ça. N'a pas quitté, nous allons quitter suivre encore. Et comment nous allons faire analyse de situation, hein? Parce que nous tap suivre ça de très bien. Pour qu'awe et moun y a bay parler sur pays d'Haïti. Gan pile moun konnen dans pays d'Haïti. Les a fait genre de reportage, ou te carré Léo pour yo faire parler. Non, yo gon deux catégories moun pour yo faire parler de situation ça. Et depuis et chaîne télévision ça fait reportage sur Haïti ces gens de monde ça toujours ouais relé yo pas en relé l'autre monde en tout cas nous pas qui tout suivre plutôt quand on nous pas oublier mettre un like pas oublier mettre un commentaire et surtout abonner avec chaîne là pour nous capable grandir c'est ça n'a pas essayer travail nous même côté différent bail et population pour nous ca comprendre vraiment ça qu'a fait et de façon claire les nous-mêmes à l'étranger nous une nouvelle qu'a baise au pays d'Haïti nous déjà qu'on s'allier déjà c'est pas une belle nouvelle la pied c'est pas belle nouvelle yo pas dire regarde un bel barrage regarde un bel centre qui ça yo pas parler bon nous pas si comme dire nous pas fait gros projet vraiment dans pays y a pas un bel projet qui fait pas une belle bagaille qui fait vraiment dans pays. Oui, bonjour, merci de répondre à nos questions. Vous êtes politologue à l'Université des Antilles. D'abord, dites-nous quel est le quotidien des Haïtiens. Il y a des pénuries. Combien de gens ne mangent pas à leur faim? Combien de gens ne mangent pas à leur faim? C'est un quotidien très difficile, marqué d'abord par une économie de la crise, comme vous l'avez souligné. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'Haïtiens aux pratiques mafieuses qui tentent d'accumuler de la richesse sur la misère, où tous les biens de première nécessité non seulement sont rares et que le carburant, qui est un produit stratégique, est également un bien très rare, mais c'est une rareté artificielle organisée par des groupes, soit qui sont proches du gouvernement, soit également et qui sont considérés comme étant des agents de l'économie criminelle, puisque à côté de l'économie de la rareté, il faut le rappeler aussi qu'il y a toute une économie de la criminalité qui s'organise. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour comprendre le phénomène des gangs, il ne s'agit pas de le comprendre comme étant un phénomène lié à la délinquance. Ces gangs sont insérés dans l'économie criminelle, ce sont des gangs alliés aux détenteurs des principales poches de la rente, c'est-à-dire des parlementaires, des hommes d'affaires, des entrepreneurs politiques. Et ils jouissent d'une totale impunité, et puisque c'est un État en décomposition où les principales institutions sont affaiblies, sont mises à genoux, la justice, la police nationale, toutes ces institutions sont frappées d'incapacité de faire face au défi du moment. Il faut le rappeler. Vous diriez, Jacques Nézy, excusez-moi, que le pouvoir actuel profite, en tout cas mise sur l'aggravation de la situation pour rester au pouvoir? Oui, parce qu'il faut le rappeler que cette violence, elle était même créée par le gouvernement précédent et que celui-là n'est donc que la continuité du régime précédent, puisque les gangs avaient pour fonction de terroriser la population et d'empêcher tout mouvement de contestation. Donc, ce gouvernement avait annoncé l'organisation des élections, mais il se trouve bien incapable de l'organiser, puisque les gangs règnent maître. Et certains observent qu'il y a une connivence même entre ces gangs et certaines autorités en place. Donc, et le gouvernement ne montre aucune volonté politique de résoudre le problème. Et il laisse, on dirait que c'est dans la procrastination qu'il vit, ce gouvernement, il laisse filer tous les problèmes, puisqu'il ne dispose ni plan d'attaque contre les sécurités, et ni une politique ferme, sauf quelques opérations éparses conduites par la police nationale.
Vous le disiez, aujourd'hui, les gangs sont les véritables maîtres de l'île. On apprenait également en juillet dernier la mort du président Jovenel Moïse, qui avait été tué dans des circonstances qui restent mystérieuses. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une enquête, d'ailleurs, qui a été ouverte? Il y a une enquête, mais cette enquête piétine, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques suspects qui sont au verrou, qui sont placés en détention, mais les différents commissaires, les différents magistrats, instructeurs, disons, donnent à tour de rôle leur démission. On dirait que c'est une patate chaude, chacun renvoie la balle, et pour le moment, il n'y a aucune avancée enregistrée sur la disparition du président Jovenel Moïse. Merci beaucoup, Jacques Nessy, pour ces quelques éléments. Voilà, c'est ça, et c'est comme ça qu'il y a présenté le pays d'Haïti. C'est comme ça qu'il y a présenté nous le pays d'Haïti. Depuis qu'il y a présenté le pays d'Haïti, c'est ça qu'il y a bas nous. Il y a dit nous, mais ça qui a passé dans le pays d'Haïti, c'est ça qui est nouvelle. C'est nous-mêmes qui vous connaissons, qui ça n'a pas vendu, la caille nous. Mais, grand pile vérité qui dit tout, dans ça, et monsieur Arek a expliqué comment va yoyer dans pays, mais grand pile vérité qui dit quand même grand pile bagarre monsieur dit là c'est vérité yoyer nous pas ca cacher yo et ou pas ca on pays marcher comme ça. Ça relé économie et criminelle, ça relé économie criminelle, ça veut dire son groupe nèg qui là qui contrôle les pour faire violence, pour faire intimidation, pour faire monde peur, qui pour mettre pression sur la population pour toujours rester dans cette façon pour ne pas revendiquer. Et c'est ça, l'économie criminelle là, et même tout, il a profité de ça pour monter pour yo sans aucun principe. Il a fait ça, et alliance avec les gens qui sont dans le gouvernement. Il a fait alliance avec tout le monde qui est dans la justice. Même la police, il y a même qui contrôle. Ça veut dire qu'on s'allie. Mais tout ça pas ta arrivé sans aval et ça y relé Washington. Washington lui-même nous pas gagner cap fait dans zone là pour américain ou pas connait pas au courant. Comprendre? C'est ça lié. Ça veut dire yo même tout yo gain main au trempé dans Jean pays a marché là. Ça bon pour yo. Ça fait pas yo, c'est a fait pas nous-mêmes haïtiens qu'il pas fait, ou même qui vivent dans le pays d'Haïti, ou même qui vivent à l'extérieur du pays d'Haïti. Ça a fait pas moun blanc yo moun Washington français canadien, ça parce que yo toujours dominicain, même dominicain ça fait affaire parce que haïtien a toujours dans misère, avait dit n'importe quel problème diplomatique yo gagne, yo ken doit avoir 30 000 haïtien bon là, ça met un problème. Son zam nye, zam immigrant, immigration, son zam, son gros zam diplomatique lié, qui joue en pile, le nèg a besoin de faire tel bagarre avec tel pays, il ne doit pas l'avoir n'importe qui gens, parce que ou vulnérable, c'est ça lié, c'est pour nous même haïtiens, situation n'est pas bon. Jean pays a, c'est pour nous même li pas bon, nous même qui vivons dans le pays, n'est pas bon pour nous, c'est nous qui sommes premiers victimes, avec nous même haïtiens qui vivent à l'étranger, qui n'est pas bon pour nous tout. Parce que nous gen famille nous ta renmen venir dans pays nous plus souvent nous pas capable. En tout cas c'est nous même tout quel que soit à côté nous qui pour mettre tête ensemble, qui pour faire une chaîne pour nous combattre nèg ça, quel que soit à côté ou quel que soit forme yo prend, faut nous capable moun qui gen capacité pour nous analyser fonctionnement yo. Ça prend temps mais faut nous commencer, faut nous faire. En tout cas moi même c'est Rassi Union 109 TV. Quand on est toujours là, c'est ébren nous pour mettre là pour qu'on comment va y avoir fait. Mettre grand monde sous nous, abonner avec channel là, mettez pouce haut s'il vous plaît, pas négliger et partager vidéo là, et puis n'ap croiser pour une autre vidéo que bon Dieu capable protéger nous.